assurance, de l'immobilité à un fort prix, donc sur la distance et bien de 2000 mètres. Je vais vous parler finalement aussi de la remarque de l'écouter avec toutes ces boss qui prennent en charge. Je ne sais pas si c'est l'histoire de bien. Il y a Mons Forever, alors qu'on a dérondé avec Brunel de Corne, Kazakh Ferlin, qui a dérondé les futurs en vie à la route extérieure, la route de plusieurs rangs de dans la ligne rouge maintenant, avec des Mons Forever et qui, à l'avantage, pour ce qui est une compétition bien à la fin. Et bien, il s'agit de porter par Alain Zabot, justement, qui est là, il est en dernière position, ayant repris le parcours pour la question des tasses, c'est bon, et du corps. Nous avons franchi l'avant-quête, on a fait le premier tour, avec Diamond Forever, qui est passé du premier au troisième rang. Et c'est désormais Alain Zabot, très jeune et brillant, bien en tête, c'est qui a pris l'avantage maintenant, alors qu'en seconde position, on trouve Pete Seboy et Diamond Forever qui part en avant. Et aussi, le deuxième qui s'est maintenant remis le record, qui vient également dérouler à se rapprocher du leader. Les concurrents ont franchi le gay avec maintenant Yann Zabos qui est toujours l'avantage. Devant X-Roy, c'est le gay, mais toujours la même chose en troisième position. Le deuxième a vu entrer son parcours à dérouler et sera donc pour la 13e place. Les concurrents qui vont diriger vers l'aide. De la de la plus que deux pour dans cette épreuve et non en fait qu'ils vont faire dans les canaux. D'ailleurs, sur la valeur, sur une seconde. Voilà, ça peut être un peu plus de avant de descendre la grimpette. Sur moins que tu vois, donc avec toujours la valeur sur la valeur qui a l'avantage. Maintenant, après on reprend le parcours avec le bonhomme et Yann qui reprennent un parcours pour les places. Je vais vous montrer comment on va faire.